panaye panayo na sopi mote maloko la ma na tandi angolo kole lambayo maya miso nange kumbela yo yanga ilo sambo yaya poyo suse yangolu yesu yo yo senga yo bona bomo inangai mo Kristo yo otia tango nyonso liboso nangayo talatala ya liloba na yo ofungola pe miso nangai molimo otena talatala. Shalom à tous, donc mon nom est Keren Ambamouniel. Voici un nouveau concept qui sera une série chrétienne sur laquelle nous aurons à déplorer sur plusieurs sujets de l'heure. Et ce sera à suivre sur Espace Chrétien ainsi que de Divan Blanc. Donc aujourd'hui nous allons parler sur la grâce, donc l'appel. Être appelé de Dieu et être choisi de Dieu dans une course de la vie. Donc la Bible dit que beaucoup sont appelés et peu sont élus. C'est dans le concept qui vient de une bataille pour la vie, oui, une bataille pour la gloire, une bataille pour arriver au ciel, oui. Mais dans la vie de tous les jours, il est très possible de croire et de se battre pour recevoir quelque chose de Dieu, de croire en ce que Dieu nous a promis et de croire à l'accomplissement de cette chose. Donc quand je parle de la grâce, je parle de ceci. Je vous donnerai un exemple très simple. Nous parlerons de Marie. Dans un temps où la femme n'est pas réellement, dirais-je, choisie, dans un temps où la femme n'est pas réellement respectée, dans un temps où la femme n'a pas un aussi grand poids. Lorsque le Seigneur décide d'envoyer son choix sur la femme, lorsque le Seigneur décide d'envoyer son choix sur quelqu'un, il parlera alors de la grâce. Alors lorsque l'ange a apparu à Marie, il lui a dit ceci, il a dit « Je vous salue Marie pleine de grâce ». Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il a emmené Marie. Tu n'étais peut-être pas importante, malgré le fait que la femme n'était peut-être pas choisie, malgré le fait que tu n'avais peut-être pas ce qu'il faut, ma grâce t'a maintenant qualifié à vivre quelque chose de nouveau. Et alors lorsque l'ange lui dit, je vous salue Marie pleine de grâce, qu'est-ce qui se passe? C'est que Marie reçoit la grâce de porter quelque chose qui est défini comme sa destinée. Elle reçoit la grâce de vivre quelque chose qui est qualifié comme sa destinée. Et alors qu'est-ce qui se fait? C'est que Marie reçoit la grâce de maintenant vivre la promesse de Dieu. Marie reçoit la grâce de maintenant vivre le plan de Dieu pour sa vie. Mais le truc en fait c'est quoi? C'est que la grâce ne disqualifie pas l'effort humain. Alors là je vous donnerai l'exemple d'une période d'essai, d'une période de sélection, que ce soit pour un jeu de basketball, que ce soit pour une carrière de football, que ce soit pour une carrière de baseball, peu importe le type de jeu, je crois qu'on en connaît tous, il y a toujours cette période d'essai qu'on appelle les tryouts. Et lorsque les tryouts se passent, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, c'est tout simplement que tu es destiné à d'abord croire en ce qu'il y a en toi, oui, c'est la première des choses. Après avoir cru à ce qu'il y a en toi, tu dois savoir que tu as été qualifié, ce que la grâce a fait pour toi. Et ensuite de cela, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu dois maintenant entrer dans la période de sélection, la période où l'homme passe par une période d'épreuve, la période où l'homme se place entre lui-même, une période où l'homme commence à réfléchir à les choses différemment. Pourquoi? Parce qu'il veut être qualifié pour faire partie de l'équipe gagnante, parce qu'il veut être qualifié pour accomplir sa destinée, parce qu'il veut être qualifié pour faire les choses qu'il croit qui ont été dues pour lui à faire. Alors quand les tryouts commencent, l'homme change sa nutrition, l'homme change la façon qu'il mange, il change son diet comme on dirait en anglais. Il change ce qu'il mangerait habituellement, il ne le mange plus. Ce qu'il ferait habituellement, il ne le fait plus. L'homme passe plus de temps à réfléchir et à penser. L'homme passe beaucoup plus de temps à faire les choses afin que ça puisse modeler son mode de vie, modeler sa façon d'être afin d'être sélectionné durant les tryouts. L'homme passe beaucoup plus de temps avec lui-même et beaucoup moins avec ses amis parce qu'il est en préparation. J'aimerais vous dire ceci, que Marie, malgré la grâce, a dû passer par les épreuves. Marie, malgré la grâce, a dû passer par un moment où elle devait chercher là où elle allait enfanter. Elle a quand même dû souffrir les douleurs de l'enfantement. Elle a quand même dû fuir par-ci et par-là, malgré qu'elle portait le sauveur du monde. Parce que je veux t'affirmer que malgré que la mission de Dieu est pour toi, malgré que Dieu a une destinée pour toi, il y aura une période d'épreuve que d'autres peuvent qualifier comme une période de combat.
crois-moi, voyez-vous ceci, Jésus-Christ qui est l'exemple parfait, avait une mission bien précise que lui-même savait. Il savait qu'il y avait des choses à accomplir, il savait qu'il y avait des prophéties à accomplir. Et nous croyons que peu importe ce qui se passe, que la parole de Dieu est sûre et certaine. Mais une chose est sûre, c'est que malgré la mission que Dieu t'accorde, il y a des épreuves à passer. Et alors lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de... Il savait qu'il devait aller à la croix, il savait qu'il devait accomplir des miracles, il savait qu'il devait faire des choses loin par le Saint-Esprit. Il a dit « L'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a loin pour faire telle et telle chose. » Mais le Seigneur devait quand même passer par 40 jours et 40 nuits dans le désert, 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière où il était tenté par le diable. Un moment d'épreuve qu'il ne pouvait pas passer à côté, un moment d'épreuve qu'il ne pouvait pas laisser. Pourquoi ? À cause de la mission. Et je voudrais aussi t'affirmer que le moment d'épreuve par lequel tu passes, que les épreuves que tu traverses sont au niveau, sont au calibre de la mission que Dieu a pour toi. J'aimerais enlever aussi cette idée que nous sommes peut-être tous pas appelés à prêcher sur une chaire. Nous sommes peut-être pas tous appelés à faire les choses comme tout le monde. Mais Dieu a une mission pour toi. Et la mission qu'il a pour toi a tout à voir avec le potentiel qu'il a mis en toi. Alors durant cette période de trial, durant cette période de playoff, qu'est-ce qui se passe? Le potentiel de l'homme est exprimé. Le potentiel de l'homme est exploité. C'est là que tu vois que tout ce que l'homme fait, comment l'homme commence à changer, comment l'homme commence à se transformer par sa force personnelle, est toute une question de qu'est-ce qu'il fera et de là où il va. Et c'est là que nous verrons que l'homme commence à transformer même sa façon de penser. Parce que oui, la pensée que tu as durant le moment d'épreuve va aussi déterminer comment tu arriveras à ce moment d'épreuve. La grâce t'a qualifié. La grâce t'a permis de recevoir la paix. Pourquoi je dis que la grâce t'a qualifié? Parce qu'à partir du moment où Christ a été sur la croix et qu'il a dit que tout est accompli, ce n'est pas seulement que c'est accompli pour que tu reçoives un miracle, ce n'est pas seulement que ça a été accompli pour que tu reçoives telle et telle chose, ce n'est pas seulement que ça a été accompli pour que tu puisses vivre des choses extraordinaires, mais la chose qui a aussi été accomplie, c'est que Christ nous a ramenés là où nous étions à la jeunesse. Christ nous a redonné l'identité de Dieu que nous avions en nous. Christ nous a redonné la vie de Dieu que nous avions en nous. Et il est important de comprendre que sans la compréhension de la grâce de Dieu, il te sera impossible de foncer durant le moment d'épreuve. Sans la compréhension que la grâce de Dieu te donne tout ce qu'il faut, sans la compréhension que la grâce de Dieu te donne tout ce que tu as besoin pour ces moments-là, il te sera impossible de demeurer ferme durant le temps d'épreuve. Alors la grâce, la connaissance de la grâce est ce qui te donne l'assurance de continuer à foncer, de continuer à te battre, de continuer à prier, de continuer à espérer, de continuer à croire en Dieu, peu importe ce qui se passe, peu importe les épreuves qui se lèvent. Et il est important de comprendre ceci. Et un autre point que j'aimerais souligner, durant le moment des try-outs, lorsque les athlètes se préparent, lorsque les athlètes travaillent pour devenir le meilleur d'eux-mêmes, les athlètes n'oublient jamais qu'il faut être centré sur eux-mêmes. Lorsque les athlètes se battent pour être le meilleur d'eux-mêmes, ils oublient qu'ils sont au milieu d'eux, ils oublient qu'ils sont aux côtés d'eux. Ils ne se combattent, ils combattent pas non par rapport aux gens qui sont à leur côté, mais ils combattent par rapport au but qu'ils veulent accomplir, ils combattent par rapport à la mission qu'ils veulent accomplir, ils combattent par rapport à l'épreuve qui est devant eux. Ils oublient les autres concurrents, ils oublient les autres qui eux aussi courent pour arriver à la mission. Ils oublient les autres qui eux aussi ont un potentiel extraordinaire. Mais ils misent sur ce qui est en eux. Ils misent sur ce que la grâce les a permis de faire. Ils misent sur ce que la grâce les a remplis de faire. Et lorsque maintenant ces gens font ceci, ces athlètes sont focus de cette façon, il est impossible d'être déstabilisé par le potentiel de l'autre. C'est là qu'on comprend que la grâce appelle tout le monde. La grâce appelle tout le monde, mais seul peu sont élus. Peu sont élus car la grâce ne fera pas certaines choses pour toi. Peu sont élus parce que la grâce ne combattra pas certains combats pour toi. Peu sont élus parce que les choses sont en toi afin que tu arrives à destination. Je crois qu'il est important pour toi de ne jamais oublier que Christ a accompli toutes choses à la croix afin que tu saches que tu as ce qu'il faut pour arriver jusqu'à la fin. Tu as ce qu'il faut pour arriver jusqu'au bout de la ligne. Tu as ce qu'il faut pour qu'à la fin de la course, tu sois électé. Que tu as ce qu'il faut pour qu'à la fin de la course, tu sois sélectionné. La chose que je voudrais dire encore, c'est ceci. Que durant la période d'essai, malgré la grâce, aucun guerrier n'a été
qualifié de grand sans les épreuves. Il est impossible qu'un grand homme soit qualifié de grand sans être passé par des choses qui a révélé la grandeur qui était cachée en lui. Les épreuves, comme je l'ai dit, sont tellement importantes durant le parcours de la sélection. Parce que les épreuves dévoilent qu'est-ce qui a été caché en toi. Comment veux-tu savoir qu'est-ce qui a été réellement accompli si tu refuses de vivre des épreuves? Comment veux-tu savoir qu'est-ce que Christ a déposé en toi si tu refuses de vivre les épreuves? Les épreuves sont demandées afin que Christ te démontre, afin que Dieu te démontre que non seulement que tant que tu marches avec lui, qu'il est aussi avec toi, mais les épreuves sont là aussi pour te montrer que j'ai tout accompli et c'est en toi. Il est possible pour toi de vivre ces choses. Il est possible pour toi d'accomplir ces choses. Voilà pourquoi même la Bible nous dit qu'ils ne seront jamais tentés au-delà de nos forces. Il n'y a jamais une chose que Dieu permettra d'arriver vers nous, que Dieu permettra de passer vers nous, qui sera plus forte que nous. Car tout a été accompli. J'aimerais t'assurer que tout est en toi pour réussir. Tout est en toi pour accomplir la mission de Dieu. Je sais que parfois la voix de tes propres pensées peut être plus forte, que la voix des échecs passés peut être plus forte, que la voix de tes choix passés peuvent être plus forts, que la voix de même peut-être les gens qui te dénigrent peuvent être plus forts. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une voix qui crie plus fort que n'importe quelle voix qui peut exister sur cette terre, dans ta tête. Et c'est la voix de la grâce de Dieu qui est Jésus-Christ. La voix de la grâce qui te dit que tu es capable. La voix de la grâce qui te dit que je suis avec toi. La voix de la grâce qui te dit que ça pourra se faire. La voix de la grâce qui te dit que ça peut être accompli parce que je suis avec toi. La voix de la grâce qui te dit peu importe les gens qui sont aussi en train de courir cette course, je peux être avec lui et être aussi avec toi. Arrête d'être dans la peur, arrête d'être dans l'indifférence, arrête de croire que je t'ai abandonné parce que tu vois que je marche avec un autre. Je suis aussi avec toi. Autant que je suis avec l'autre, je suis avec toi. Et ça, c'est une des choses les plus merveilleuses. C'est que la grâce est disponible pour tout le monde à n'importe quel moment et au même moment. La grâce est disponible pour tout le monde à n'importe quel moment et au même moment. J'aimerais que tu n'oublies jamais que la grâce est pour toi, mais que la grâce ne fera pas tout pour toi. La grâce t'a qualifié, mais afin d'être choisi, il y a des choses que tu dois faire. Afin d'être choisi, il y a des choses dans lesquelles tu dois te pousser. Afin d'être choisi, il y a des choses par lesquelles tu dois passer. Mais j'aimerais t'assurer que tu as la force de passer par ces épreuves, que tu as la force de gagner et de remporter cette course, que tu as la force de faire ces choses. Et si même peut-être que tu te dis que oui, il y a des sélections, mais moi je crois comme si, je me vois comme si que j'y étais appelé à rien faire, j'y étais appelé à rien faire. Non, crois-moi que peu importe le domaine dans lequel Dieu t'a donné une grâce, crois-moi que tu peux impacter là-bas. Crois-moi que si tu es appelé à être un artiste, que si tu es appelé à travailler dans des bureaux, que si tu es appelé à travailler dans le gouvernement, c'est exactement là que Dieu te veut et c'est exactement là que Dieu va t'utiliser pour faire les choses. Mais une chose que tu dois comprendre, c'est que tu passeras, oui, par des épreuves, c'est que tu passeras, oui, par des temps peut-être bizarres qui te sembleront bizarres, que tu passeras par des temps qui te sembleront difficiles. Et même si tu es appelé au ministère, je t'assure que tu passeras par des temps qui sont tellement difficiles, mais je t'assure que tu as tout ce qu'il y a en toi afin de gagner cette course. Tu as tout ce qu'il y a en toi afin de remporter cette course. Et même dans cette vie de la vie que nous vivons, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous croyons en Dieu, il y a des combats qui s'élèvent contre nous. Le diable s'élève contre nous. Notre propre vie, notre propre culture parfois s'élève contre nous. Mais nous avons ce qu'il faut à cause de la grâce et à cause de ce que Dieu a mis en nous, à cause de la place que Christ nous a redonnée lorsqu'il a tout accompli. Nous avons ce qu'il faut afin d'arriver à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous avons ce qu'il faut afin d'arriver à l'accomplissement de ce que Dieu veut pour nous. Le premier objectif est d'arriver au ciel. Le premier objectif est d'arriver jusqu'à la fin. Alors n'oublie pas que tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Il faut juste ne jamais oublier que la grâce t'a qualifié, mais que tes propres efforts t'amèneront jusqu'à l'accomplissement. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Kerana Mbamouniel et j'espère qu'on se reverra dans une prochaine vidéo. Na sopi motema lokola ma
natandi yango lokolelamba yo maya miso nange kumbela yo yanga ilosambo yaya po yo suse yango lu yesu yo yo kolonga inako senga yo pona bomo inanga imo kristo yo Otia tango nyonso liboso na ngayo Tala tala ya liloba na yo Ofungola pe miso na ngai molimo Otena tala katala talango Nayeba koso sola mbindo na ngai Naluka pe kopeto la mambangu Otena sanga lola soko mokete gonga imokolo kozonga kokamata basantu bo Yesu yo yo Asopi motema lokola ma Natandi yango lokolela mbayo Maya miso nange kumbela yo Yanga ilo sambo yaya Poyo suse yango lu yesu Yo yo oh. Kolonga inako senga yo Onabomo inanga imo kristo yo Oti atango nyonso liboso na ngayo Tala tala ya liloba na yo Ofungola pe miso na ngai molimo Otena tala katala talango Nayeba koso sola mbindo na ngai Naluka pe kopeto la mamba angu Otena sanga lola soko mokete gonga Imokolo kozonga kokamata Christiane ye Yesu Yo yo oh. Yeah, yeah. Yaya nanga yo ya ya yeah, yeah. Ibanga Davide kweisa yeah, Goliate yeah. Itumba ya butu na bele laka yo Nazalambisi ne balangolu na yo Basi nanga ya nzoto pe ya molimo Izwae ya nose nangolu na yo Nango minyoko eye la kanga yo Go Yesu pe pasi ya mokili elelisa kanga Nabi malibande balangolu te Oma ya miso nanga yango eko sangana na mayango luna yo Eko zonga na suse paina yo Kolo oh. Yeah, yeah. Ope nga nga po mwana ya yeah, ya yeah, ye yeah. yeah, yeah. Na maboko na yo bako langa mafuta yeah, yeah. yo Yo koti sanga kelasi ya mayela bonza mbe yeah, yeah. La voix des sans voix. Sachez que l'homme n'est grand que lorsqu'il est à genoux. Demeure à genoux en esprit et tu seras toujours la tête. Amen et c'est final. Yesu.